comprends. On a mis la terrasse pas en position hivernale mais estivale. Et ici, position nettoyage de l'appartement, récurer le sol et tout. Demain lessive et mardi départ pour Athènes et Samos. On se réjouit. Alors, on vient à Samos. Voilà, petite voiture de location pour la journée, histoire d'aller faire les courses. Voilà, arrivé sur l'étoile filante. Alors, c'est un petit peu la pêche. Il y a du sable, mais partout. Oi, oi, oi. Alors là, il y a du taf. Hein. Le bateau est rempli de sable. Voilà l'étoile filante, nouveau belle propre. Stella est en train de faire les intérieurs à fond. Et ici, il reste encore la console à policher. On a des nouvelles fenêtres qui sont transparentes, les autres étaient venues tout opaques. On voyait presque à travers. Ça sent bientôt bon le départ. Ici, je pense une semaine. Voilà des voisins français qui sont arrivés à côté de nous au port de Samos et qui ont pêché un thon. Et ils en avaient trop, ils en ont offert. On va se régaler. Avant le départ pour cette saison 2021, Stella a préparé des légumes en lactofermentation. Alors ça, c'est des courgettes, et puis il y a quoi dedans encore? Et puis une courge. Une courge, ça c'est du poivron. Ici, on a poireaux, essentiellement échoux, des carottes, des tomates. Ici, concombre, et là, des citrons. Voilà. Et ça se conserve relativement longtemps. Donc ça fait une petite réserve. Voilà, demain 7h, départ du port de Samos. Après 7 mois passés ici, on se réjouit. Le bateau est nickel. Propre. On a travaillé comme des bêtes. Ce lundi 7 juin. Il est 7h-5 et on est dans les starting blocks pour sortir du port. Le soleil qui apparaît là-bas, il s'annonce. C'est parti, mon kiki.
Voilà, c'est parti. 7 nœuds de vent pour un début, c'est très bien. Un Samos, un nouveau Amel 50 pieds qui lui était une heure qu'on est sorti du port. 10 nœuds de vent, vent arrière, 4,4 nœuds. Pour une première navigation, ça va bien. Voilà, ça part gentiment. Toujours avec les voiles en papillon. Ici devant l'île de Samiopoula, au sud de Samos. Le vent est tombé. Il y a encore 3 nœuds de vent. Donc pétrolette. Voilà, ce matin nous avions du vent d'est qui variait entre 3 et 5. Vent arrière, et maintenant on a du force 1 dans le pif. Voilà, arrivé au sud de l'île de Fournoy, c'est une île complètement découpée. Il a visité quand il n'y a pas de Meltem, parce que ça siffle pas mal par là. Donc là, on a des conditions idéales pour y aller, vu qu'il n'y a quasiment pas de vent. Voilà. Et ici, l'île de Samos, avec son sommet le plus haut. Ancré dans la baie de Petrocovio sur l'île de Fournoy. Avec une super roue. Ici dans la baie, calme plat pour l'instant. Le soleil va bientôt se coucher derrière la colline. Et ici, une ancienne carrière de marbre. Et c'est zoomé. On voit encore des gros blocs de marbre au bord de l'eau sur la plage. Mardi 8 juin, départ de la baie sur l'île de Fournoy, et on va mettre cap sur le bout de l'île d'Icaria. 9h du matin, la ville de Fournoy qu'on vient de quitter. Ici le bout de l'île d'Icaria, avec là l'aéroport.
pour Trieste. Et ici, côté ouest, on va aller s'ancrer dans une crique au bout de l'île. Là, ici, donc, on est en recharge solaire avec les panneaux amovibles ici, les panneaux fixes sur le pont, les panneaux amovibles sur la capote de descente. Yep. Et ici, les panneaux sur l'aile arrière. Voilà. Voilà. Et ici, 13,2 volts, on charge 11-12 ampères. Là, ici, on voit que on consomme 8 ampères actuellement. Et ici, on charge 4 ampères. 8 plus 4, les 12 qu'on a vus avant. Si tu es venu. Voilà. Ici, le livre de bord, des bouquins. Pour la téléphonie, on a un abonnement suisse avec 40 gigas par mois qui sont ensuite ralentis une fois qu'on les a consommés. Et ici, on a un routeur avec Vodafone, carte grecque, à 10 euros pour 40 gigas. Et celui-là, c'est Wind, avec 30 gigas pour 25 euros à utiliser en 2 mois. En route sous moteur, il est 10 heures, le vent est complètement tombé. Ici devant, à la pointe, il y a l'air d'avoir une bonne brume. On va voir si elle se dissipe avant qu'on arrive. Normalement, dans 1 heure, on est à la pointe, et puis après, on a encore une petite heure jusqu'à la baie où on veut aller. On est à 3,5 de la petite crique qui se trouve là-bas. Toujours pas de vent. Le Psalida, tout au bout de l'île d'Icaria. Un bateau de pêche qui vient d'arriver. Je pense qu'ils viennent faire la sieste. Ils sont levés très tôt ce matin. Et là en bas, donc, fait très chaud, donc ça sent le plouf. Voilà, quasiment seul au monde. La deuxième nuit au mouillage a été un peu plus animée que la première, avec des rafales à 28 nœuds, force 7. Et ce qui est toujours étonnant, c'est que juste à côté, là-bas, il n'y a quasiment pas de vent. À départ ce matin, mercredi 9 juin, on a mis 2 ris dans la grande voile.
où on a passé la nuit rafaleuse. Et on va essayer de pointer sur Mykonos, mais on risque d'être très serré, donc on verra si on va vraiment à Mykonos. Ici on a l'effet Venturi entre les deux îles, le vent s'accélère, on avait pour 5 et là ça monte à 26 nœuds pour 6. On est en approche. Arrivé dans la baie de Kalafatis. De Kalafatis au sud-est de l'île de Mykonos. Voilà, en arrivant ici dans cette baie, ça sentait un peu le diesel à l'intérieur du bateau et il y en avait dans le puisard. Et là, on a tout ouvert. Et je ne trouve pas de fuite sur le réservoir, peut-être dessous, mais je ne peux pas le démonter. Par contre, ce tube-là, il est un peu poreux là, il a des fentes. Alors, je me demande si à la gîte, il n'y a pas du diesel qui sort, mais pas sûr du tout. Je n'ai pas trouvé de fuite qui pourrait venir d'ailleurs, mais ici, au fond, il y a du diesel. Donc le réservoir à l'âge du bateau, c'est-à-dire 26 ans. Donc c'est possible qu'il ait une petite perforation, il est en aluminium. Donc on va vider toute la cale avec les vélos et tout. Et c'est bricolage. Les cales, on va tout sortir, tout nettoyer, c'est plein de diesel partout. Et le problème qu'on a, c'est qu'on nettoie, mais je n'ai pas trouvé la cause de la fuite. Voilà, ici le remplissage du diesel, les vents, et là l'entrée du diesel et les vents. Et là, donc on avait ce tuyau, et en fin de compte, quand le bateau gîte, le diesel remonte dans le tuyau et si on regarde là,
Il est complètement fissuré. J'ai mis de l'eau dedans et ça pisse. Donc quand on était à Gite, le diesel sortait par là. Il nous a rempli les cales, quelques litres. Et là, à pas de tuyau à bord. Alors, soit je bouche le trou de remplissage, ce qui m'embête parce qu'après pour remplir c'est un peu le cirque, soit je vais prendre la bande vulcanisante que j'ai ici. Donc cette bande qui se vulcanise ensemble, et puis on va bander ce tuyau en attendant, et puis on le changera quand on trouvera un chip. Voilà, on est en train de mettre la bande vulcanisante autour de ce vieux tube. On va faire deux couches. Donc tout ça, ça soude ensemble. Je ne sais pas si ça résiste au diesel, mais ça devrait tenir un petit moment jusqu'à qu'on trouve un tube de rechange. Alors voilà, c'est les plaisirs et les joies de la navigation. Voilà, réparation terminée. Avec cette bande vulcanisante, ça devrait tenir un petit moment. On va remonter tout ça. Aujourd'hui, 11 juin, lever du soleil sur l'île de Mykonos. Ce matin, 11 juin, trois tournées. Jeudi, vendredi, surtout, départ de Mykonos. Le vent est tombé, il y a moins de vent. Donc, génois dehors et grondoine avec Béodi pour l'instant. Navigation tranquille, il y a 15 nœuds de vent. On a 20 000 à faire. C'est 8 heures du matin. Arrivé vers midi pour la Perle à Paros. Voilà, sur la traversée entre Mykonos et Paros, on voit ici qu'il y a un bateau qui nous pointe dessus. Alors, c'est un bateau de plaisance de 351 pieds. Et il avance à 16,9 nœuds. Et il va passer à côté de nous à environ 600 pieds s'il ne change pas son cap dans 14 minutes. Le basilic n'aime pas trop les ambiances marines. On a 15 nœuds de vent. Le vent a tourné un peu. Voilà, en papillon. Voilà, 5000 d'arrivée de Paros. Le vent nous a lâchés. Voilà, le vent est complètement tombé. Et il reste les vagues. Les voiles tapées. Donc on a tout enlevé, ces pétrolettes pour finir les 4 derniers milles. Arrivée houleuse.
Arrivé devant le village de Naoussa. Il y a 5 minutes, on a eu les dauphins qui sont venus. C'était magnifique. Quel plaisir toujours de voir ces fabuleuses bêtes. On va faire un petit tour dans cette ville. Ancré dans la baie de Loanou. Il y a un peu du monde par ici. Ça nous change, ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé. Samedi 12 juin, petit lever du soleil, dans la baie au nord de Naoussa. C'est parti pour 1,2 mille. On est à 2,9 mille. Ça fait une petite demi-heure. Est-ce que ça va, ma dulcinée? Ça va bien, super, merci. On va aller visiter Naoussa. Ouais, on va voir ça, ça a l'air magnifique. Et voir si on trouve notre tuyau. Là, on arrive gentiment. On a utilisé 10%. Et on peut tourner à naviguer 3 heures. On est tout là-bas, là-bas. Là, ici une machine qu'on n'a jamais vue. Ça permet de récupérer les déchets qui flottent à la surface de l'eau.
Bon, après cet excellent repas, ouze au vin rouge mastic, on souffle l'épée pour monter ici. On aurait dû venir avant. Voilà, petite visite, petite bouffe, petite recherche de pied au pas trouvé. Et cap sur les palpillantes, non, 1,2 000. Ma louloute, c'était bon. C'était bon et vraiment j'avais misé très haut sur la beauté de cette île. En fait, c'est encore en dessus de ce que j'avais pu imaginer. Magnifique. Ce soir, petite patate rôtie, côtelette d'agneau, salade grecque, petit coude rouge et un magnifique coucher de soleil.